Je commencerai par une question. Quel est l'organe de votre corps qui vous permet de me regarder et de m'écouter lorsque je parle? Vous penserez aux yeux, vous penserez aux oreilles, mais sans le cerveau, vous ne pourrez faire ni l'un ni l'autre. J'ai une deuxième question. Quel est l'organe de votre corps qui vous fait ressentir la douleur lorsque vous cognez vos pieds contre le coin du lit? C'est encore votre cerveau. On pourrait passer mes 3 minutes, voire toute la soirée, à lister les choses que vous faites grâce à votre cerveau. Le cerveau est tellement important pour l'expérience humaine que deux fois, en psychologie, mais surtout en neurosciences, on oublie presque qu'il y a un corps attaché. C'est comme si on était des petits cerveaux qui flottent dans l'air. Mais non. Si je vous demande d'essayer à arrêter de respirer, jusqu'à la fin de ma présentation, vous allez vite vous rendre compte que c'est difficile d'ignorer le reste de votre corps. Sa connexion avec votre cerveau est fondamentale pour votre survie. Prenez par exemple votre cœur. Il se contracte en envoyant des signaux au cerveau et après il se détend. De façon similaire, lorsque vous inspirez, vous activez des capteurs dans vos poumons qui sont aussi connectés à votre cerveau. Donc, la respiration et les battements du cœur sont des signaux rythmiques fondamentaux qui accompagnent votre cerveau dès la naissance jusqu'à son dernier instant. Par conséquent, on peut se demander si ce type de signaux vont influencer certaines fonctions du cerveau, comme par exemple ce que vous voyez. Pour répondre à cette question, moi je prends des gens et je l'applique beaucoup de capteurs sur la tête et sur la poitrine, pour enregistrer les signaux de la tête, du cerveau et du corps. Et je lui montre des images à peine visibles. Ainsi, je peux comparer comment l'activité du cerveau diffère lorsqu'il voit ou ne voit pas les images. Et ce que j'ai découvert, c'est que le cerveau réagit de façon très différente aux images lorsque le corps se contracte par rapport à lorsqu'il se détend. Et la même chose lorsqu'on inspire et lorsqu'on expire. Donc, ça signifie que les mécanismes neuronaux qui vous permettent de ressentir tout ce qui vous entoure changent avec l'état de votre corps. Sans le cerveau, vous ne pourrez pas percevoir le monde. Mais il est aussi très important de vraiment dézoomer et considérer tout ce que vous avez autour. Et autrement, il faut saisir les petits cerveaux qui flottent et les rattacher au reste de votre corps. Merci.